Coucou, je vous retrouve encore avec une autre vidéo. Là c'est le marathon des vidéos cet après-midi. Je pense que la luminosité là dans ma pièce elle est pas trop mal. Donc j'en profite, je vais en filmer 3-4 là. Et vous les aurez certainement à la suite sur la chaîne. Et j'ai reçu un courrier hier. Je l'ai juste ouvert comme ça. Et je pensais que c'était une commande que j'avais fait. Et j'ouvre... Et ce n'était pas une commande. Voilà. Donc je pense que... C'était pas une commande en fait. C'était une surprise que m'a envoyé de la chaîne Miva Créa à Valérie. Voilà. Miva va Valérie. Et... en fait, elle m'avait dit qu'un jour, elle m'enverrait quelque chose, mais qu'elle ne me dirait pas quand. Et hier, franchement, j'y pensais plus du tout. Et j'ai ouvert mon courrier. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, je veux dire. Et j'ai vu qu'il y avait ceci. C'est très joli. Voilà. Et je ne l'ai pas ouvert. Parce que je me suis dit, je peux pas le filmer. J'avais bossé. J'étais un peu fatiguée. J'ai fini tard hier. Je finis à 19h, manger, machin. Et je me suis dit, je vais filmer ça demain. Mais c'est dur de pas ouvrir quelque chose qu'on meurt d'envie d'ouvrir. Donc il y avait une petite carte dans une pochette transparente. Voilà. Très jolie. Avec un petit mot. Bon, bah, un petit mot personnalisé. Donc je ne vais pas spécialement vous le lire. Voilà. Et en fait, c'était un rappel de mon anniversaire. Qui était au mois d'avril. Je vais vous bouger, j'espère que ça va aller, et je vais vous diriger plutôt vers la table. Donc si vous voyez des produits de beauté, c'est que je viens de filmer un haul, et c'est pas grave. Allez, on bascule. Bah voilà, c'est pas mal. Ouais. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Donc, j'ouvre la dentelle. Je la trouve, la couleur de cette dentelle, j'aime beaucoup comme ça. En plus, on doit faire des ATC Shabby, là. Peut-être que je vais m'en resservir. Alors, voilà. C'est en tissu. C'est très joli. Alors, je vais ouvrir ça. Donc, je vais vous montrer bien la couverture. Ah, mais on dirait que... Non, on dirait que ça marche. Mais oui, pour une fois ça fait pas trop flou. Ah bah c'est trop bien ça. Bon, je n'ai fait aucun réglage, mais tant mieux. Alors, oh c'est mignon. Oh c'est trop mignon. Donc un petit écureuil en bois comme ça. Plein de déco, des petits lapins, des choses comme ça. Alors, plein de tags roses, parfait. C'est joli le papier, c'est du papier texturé. Je ne sais pas comment vous montrer. Peut-être comme ça. Voilà, un très joli papier texturé. Ah, j'aime bien les rivets que tu as mis là. Moi, j'en ai un truc pour mettre des rivets, mais j'ai jamais réussi. Bref, faut que... Puis j'ai essayé une fois et j'ai pas réessayé 50 fois. Hein. Alors, il y en a encore. Il y a des cartes de... Oh, elle est mignonne celle-là. Petite carte de Project Life. Voilà. Ah. Une autre. Alors ça, je l'avais un petit peu décollé, mais... Là, il y a des embellissements. Je crois que tu m'as dit que je pourrais les récupérer. Ensuite, encore des petits tags comme ça. Encore des tags de l'autre côté. Avec du Vichy rose, c'est trop beau. Voilà, je vais les remettre directement, ceux-là. Ah, il y a quelque chose sur le côté. Il y a une petite enveloppe avec une petite tirette, là. Oh, des découpes. Alors, que des découpes roses en plus.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est des flamants roses. Je sais plus si je me le suis commandé ou pas, ce dice-là. Je crois que plusieurs fois, il me fait de l'œil, mais je passe pas le cap de le commander encore. Voilà. Bah, du Vichy, c'est trop bien. Des flamants roses, c'est super. En tout cas, je sais que là, je ne l'ai pas, le dice, donc... En plus, j'aime bien ce papier-là. J'aime vraiment beaucoup ce papier-là. Papier texturé, là. Très joli. Des plumes. Il ne faut pas que je perde pardon, je ne sais plus comment on dit. Les ailes, voilà. Les petites ailes, là, qu'on met dessus. Donc, tout plein. Ah, oh, ça aussi, c'est bien. Une grosse pendule, comme ça. Je pense qu'il doit y avoir peut-être les... Comment ? Peut-être les aiguilles. Ou pas. Je sais pas. Bon, je regarderai plus en détail. Mais bon, voilà. Alors là, tout plein de découpes. Merci beaucoup. En plus, c'est des découpes à part les plumes que j'aime. Et les autres, c'est des découpes que je n'ai pas. Ensuite, il y a encore... quelque chose à... Ah, c'est joli. Un tag comme ça. Il est joli, ce tampon. Hein. Voilà. Ça se trouve, c'est les... Non, je sais pas si c'est les tampons de chez Action, ça. Je sais pas. En fait, je les ai, les tampons. Pas tous, mais je les aime et je me suis encore pas servi. C'est la quête d'avoir les choses et de ne pas s'en servir. Alors ça, je ne sais pas si je dois l'enlever ou pas. Oui, certainement. Mais ça a collé. Bon, je vais pas tout arracher. Il y a une feuille là, je ne vais pas y toucher. Et ensuite, par où je commence? Il y a une petite capsule comme ceci. Avec un petit papillon. Tout plein de... Oui, bien sûr. De pinces à linge. D'épingles en bois. C'est pas des pinces à linge, vraiment, parce que... Avec des petits nounours et tout, c'est super mignon. Et là, j'ai du thé. Alors, aux fruits rouges et infusion verveine menthe. Ensuite, un petit lapin. Alors, celui-là, tout le monde me l'envoie. J'adore. En plus, c'est bien parce que je pourrais m'en resservir. Voilà. Une estampe. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Comme ceci. Ah, celui-là aussi, il est chou. Voilà. Mais moi, je ne l'avais plus puisque je l'ai mis sur une création. Ah, celui-là, par contre, je ne l'avais pas du tout. Il est super mignon. Voilà, en gris et rose comme ça. Encore une autre estampe. En cuivre, je pense. Ça fait décoller. Et ah, il y a encore des trucs. Alors là, il y a des... Oh, des mini strass. Je vais galérer si je veux les coller. Hein. Ils sont tout petits. Peut-être dans un shaker... shaker card. Oh, celle-là, elle est belle aussi. Peut-être si je mettais moins de... Voilà. Et des petites... des petites demi-perles aussi nacrées. Voilà. Mais ça m'intrigue, là, la feuille. Ça se trouve, je tire dessus. Il ne faut pas tirer dessus. Non, bon, bah, je ne vais pas tirer dessus. Donc, voilà. Et en fait, tout est en tissu. C'est recouvert de tissu. C'est une bonne idée. Je crois que oui, ça me tente bien de faire quelque chose comme ça, avec du tissu. Est-ce que tu avais, Valérie, si tu passes par là, je pense que oui, tu passeras par là. Si tu as un tuto pour expliquer comment on fait ça, parce que j'aime trop comment c'est. Et j'ai pas mal de tissus, je sais pas quoi en faire. Et je me dis pourquoi pas les utiliser. En plus, c'est des beaux trucs, hein, c'est des beaux tissus quand même que j'ai, c'est ça dort dans une boîte et je me dis pourquoi pas utiliser pour faire ça. En tout cas, Valérie, merci beaucoup, je te fais plein de bisous, je vais revenir
à moi la caméra. Je te fais plein de bisous. J'étais super contente d'ouvrir ce courrier. C'est une jolie surprise. Tu m'avais dit que ce serait une surprise. Bah, t'avais raison. Voilà, je suis toute noire. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être un nuage qui passe, je ne sais pas. Bref, bah écoute, merci Valérie, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir et puis à mon avis ce sera pas le dernier échange que l'on fera toi et moi. Donc à très bientôt et puis je vous dis à tous merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, à bientôt.